Et merci. Compte tenu de votre entretien, c'est ce qu'on voulait savoir. Une bonne question. Effectivement, on a repris les contacts. Après tous ces bruits, assassinats de Tchéguer, toute la presse en parle, le général John Numbi faisait des navettes chez lui, chez le président. Il faisait des navettes. C'est là où il a eu l'information que Mouilamwe sera convoqué à la CNS. Le président Kabila avait demandé à M. Pierre Lumbi que son âme repose en paix, convoqué Paul Mouilamwe. Et pendant que le président Kabila donnait l'ordre de convoquer Paul Mouilamwe, il y a quelqu'un de l'entourage du général John Numbi qui l'a informé. Fais attention, Mouilamwe sera convoqué à la mer. Effectivement, si je ne me trompe pas, c'était les 10 à 22 heures, je reçois l'appel du sous-lieutenant Congolo, qui est chargé de sécurité du général John Numbi, qui m'appelle et le chef a besoin de vous. J'ai dit, il est où? Il me dit, il est à la maison. J'ai quitté. Arrivé au rond-point Mandela, c'est le général lui-même qui appelle, mais dans, à un autre numéro inhabituel. Il n'a pas utilisé son numéro qui se termine avec 500. Il a utilisé un autre numéro. Si vous pouvez, je peux vous le donner. J'ai décroché, il dit, c'est le général. J'ai dit, oui, mon général, je suis presque tout près de chez vous. Il me dit, bon, ce n'est pas grave, je vais vous poser quelques questions. Il m'a dit, est-ce que vous avez reçu l'appel des cabinets du conseiller spécial en matière de sécurité? J'ai dit, non, je viens de recevoir l'appel du major Mukizi. Et le major Mukizi, en ce moment-là, il était le secrétaire particulier du général Pugnol, qui était le chef du colonel Daniel Mukala. C'est Mukizi qui m'a appelé pour me dire, Mouilamwe, demain, à 6 heures, tu dois se présenter à la CNS. Ma réponse était catégorique. J'ai dit, moi, je ne travaille pas à la CNS, je ne viens pas. Si la CNS a besoin de moi, je suis un officier de la police, on va faire soit une invitation, soit une convocation. C'est ça la réponse que j'ai donnée. Et le général m'a posé même question, je lui ai répondu, non, c'est Mukizi qui m'a...